Salut à tous. Tunisie-Mali, le match qui crée la polémique. L'arbitre Djanis Sikaoué accusé de corruption. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Hier, mercredi, au stade Omnisport de Limbé, se jouait la rencontre Tunisie-Mali. Comptant pour les matchs du groupe F de poule de la CAN Total Energy 2021. Le match était dirigé par l'arbitre zambien Djanis Sikaoué. Ce dernier a précipité la défaite de la Tunisie. En effet, le Mali menait la rencontre depuis la 48e minute de jeu suite à un but sur pénalty d'Ibrahima Koné. L'arbitre Djanis Sikaoué faisait un bon match jusqu'à la 85e minute quand il siffle la fin du match. Conscient de son erreur, il va rapidement rattraper le coup et relancer le jeu. Mais 4 minutes après, donc à la 89e minute, il va cette fois de façon définitive siffler la fin du match, spoliant ainsi toute chance de la Tunisie de revenir au score et prenant de court le quatrième arbitre qui avait le ballon entre les mains pour signifier le temps additionnel. C'est du temps additionnel, il y a eu 10 changements, il y a eu des arrêts de jeu, comment peut-il ne pas donner de temps additionnel, Djanis Sikaoué? Il se trompe là, il se trompe, c'est pas possible. Le quatrième arbitre, il a le panneau du temps additionnel dans les bras. Et on n'avait même pas, même dans le temps réglementaire, il a donné quasiment 5 secondes avant son coup de sifflet. Donc même si le temps réglementaire... Non mais j'y crois pas. Là, même crois si pas. Le temps additionnel n'a pas été donné, mais on est déjà d'une palée au bout du temps réglementaire. Ça peut paraître bizarre, mais... Mais c'est dingue ça. La victoire entérinée, la victoire du Mali sur la Tunisie. Ibrahima Koné à la 48e minute sur pénalty. Les Tunisiens vont crier au scandale et ils auront raison. C'est incompréhensible la décision de Djanis Sikaoué qui déjà une première fois a sifflé par erreur la fin du match à la 85e minute et qui l'a sifflé ensuite à la 90e sans donner de temps additionnel alors qu'il y a eu... Au moins tous les changements du côté malien, ça c'est sûr. Ouais. Et puis côté tunisien, on est à 4 changements, je crois. En tout cas, il y a eu un nombre incalculable de changements. Il y a eu des arrêts de jeu et il n'y a pas eu de temps additionnel. C'est dingue. On va rester ensemble, hein, vérifier que le match ne reprend pas, évidemment. Mais ça part pas dans ce sens-là avant de retrouver Vanessa Lemoine, Mohamed Sissoko et Margot Dumont pour le débrief. Mais c'est une scène incroyable, insensée, qui se déroule aujourd'hui au stade de Limbé. Les arbitres escortés et les contestations tunisiennes qui ne cessent pas. Et bien sûr qu'ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison, parce que je comprends pas ce coup de sifflet qui n'accorde déjà pas non plus de temps additionnel au vu de tous les changements qu'il y a pu avoir. La double boulette de l'arbitre Sikaoué va révolter le staff tunisien qui va essayer de s'en prendre à lui. Il a dû être escorté jusqu'au vestiaire. Quelques minutes plus tard, il a été décidé que la rencontre allait reprendre pour le temps restant et les joueurs maliens se sont présentés sur la pelouse. Mais les Tunisiens ont refusé de revenir jouer. Rappelons que Djanis Sikaoué arbitre là sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Il a participé à la Coupe du Monde 2018 et il a arbitré des finales de Coupe d'Afrique des clubs. À la CAN 2019 déjà, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, avait dénoncé son arbitrage catastrophique lors de la défaite du Sénégal contre l'Algérie en phase de poule. Il lui reprochait un pénalty non sifflé. Djanis Sikaoué avait également été suspendu après un match de Ligue des Champions d'Afrique où il officiait pour suspicion de corruption, nous renseignait la CAF à cette époque-là, même si, plus tard, la suspension avait été levée faute de preuves. La Tunisie, par cette défaite, réduit ses chances de passer au second tour de la compétition et certaines personnes pensent que l'arbitre aurait reçu un pot de vin pour ce match. D'après vous, cet arbitre a-t-il été corrompu? Laissez votre réponse en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo. Goodbye.
traditionnel. Il y a eu dix changements. Il y a eu des arrêts de jeu. Comment peut-il ne pas donner de temps additionnel, Giannis Iquoise? Il se trompe, c'est pas possible. Le quatrième arbitre, il a le panneau du temps additionnel dans les bras. Et on n'avait même pas, même dans le temps réglementaire, il a donné quasiment 5 secondes avant son coup de sifflet. Donc même si le temps réglementaire... Non mais j'y crois pas. Là, j'y même crois si pas. Le temps additionnel, pardon, n'a pas été donné, mais on est déjà d'une pas allé au bout du temps réglementaire. Ça peut paraître bizarre, mais c'est dingue ça. La victoire entérinée, la victoire du Mali sur la Tunisie. Ibrahima Koné à la 48e minute sur pénalty. Les Tunisiens vont crier au scandale et ils auront raison. C'est incompréhensible la décision de Giannis Iquoise, qui déjà une première fois a sifflé par erreur la fin du match à la 85e minute et qui l'a sifflé ensuite à la 90e sans donner de temps additionnel, alors qu'il y a eu au moins tous les changements du côté malien, ça c'est sûr. Ouais. Et puis côté tunisien, on est à 4 changements, je crois. En tout cas, il y a eu un nombre incalculable de changements, il y a eu des arrêts de jeu et il n'y a pas eu de temps additionnel. C'est dingue. On va rester ensemble, hein, vérifier que le match ne reprend pas, évidemment, mais ça part pas dans ce sens-là avant de retrouver Vanessa Lemoigne, Mohamed Sissoko et Margot Dumont pour le débrief. Mais c'est une scène incroyable, insensée, qui se déroule aujourd'hui au stade de Limbé. Les arbitres escortés et les contestations tunisiennes qui ne cessent pas. Bien sûr qu'ils ont raison, parce que je comprends pas ce coup de sifflet qui n'accorde déjà pas non plus de temps additionnel au vu de tous les changements qu'il y a pu avoir. جيل انا رجلوم روحك وقت تنتي انت مدرك اللي تخايبو ضاع ينجم يقول لي حب لا انا شو كفاه باش نطيح عليك قدرك وش شو كفاه باش يقول لك روح كل شيء خطر ou l'arbitre ou l'entraîneur adjoint, en tout cas c'était les deux dans la cabine en train de regarder le match, regarder l'entraînement. On est parti derrière eux. Donc ces pratiques là, c'est des pratiques d'un autre temps et il faut que la CAF intervienne, qu'elle soit dure avec ce genre de choses.